Yo tout le monde, aujourd'hui sur Redzone Gaming, dorsale de givre, les marches solitaires au campement crépuscule dans un grand cratère. C'est un dragon. J'ai tout pris renseignement, ça a l'air que son point faible, c'est la glace, l'eau, les éclairs et non le feu, parce qu'il y a justement un dragon de feu. Donc, comme je vous l'ai dit, j'allais faire mes recherches. Marche solitaire, donc ça a l'air qu'il se tient dans ce coin-là. Ça a l'air qu'il se tient là-dedans. Donc moi je suis juste là. Je sais pas si je. Excusez-moi si vous voyez pas trop, c'est parce que c'est juste à cause de l'éclaircie qu'il y a là. Donc il se tient là-dedans. On sait pas où est-ce qu'il va apparaître, mais ils disent qu'il est dans un grand cratère dans ce coin-là. Ils disent qu'il pourrait peut-être être là ou là. Peut-être là, moi je vous le montre, ou là. Donc moi je vais aller fouiller dans ce coin-là, ce que vous voyez mon rond. On va aller voir, ça a l'air que ça peut porter fruit. Donc on va se mettre tout de suite là-dessus sur la chasse du dragon dorsal de givre. Kira, tasse-toi et tu m'énerves. T'es tannante. Donc là les gens, on est ici, comme vous pouvez le constater. Et ils disent que le dragon pourrait être caché à différentes places. Donc ils disent qu'il pourrait être caché à différents endroits. Donc là, ce que je vais aller faire, dans le fond, c'est que je vais aller me mettre tout à sa recherche, parce que justement, moi, je le veux, le dragon. Moi, je veux le dragon. Donc, tu sais, on va se mettre tout à sa recherche. On va voir ce que ça va donner. Oh, du fer. Comme je vous l'ai dit, on doit rechercher tout ce qu'on a de besoin. Donc, oui, les gens! Voici notre dragon. Oui, nous avons notre dragon. On va juste tuer ce putain de dragonneau de merde là. On a un petit boss. Déjà, on sait quelque chose. On va aller essayer ça. D'affroid. On va faire se mettre à sa tanière. Je sais pas si on va pouvoir réussir. En tout cas, il était ici. Je sais pas comment faire pour le descendre, les gens. Je sais pas, pas en tout. Vivienne qui est là. J'ai Vivienne. On va essayer de trouver Vivienne. On va essayer de l'attaquer. Non. Ah, sérieux, les gens, ça va être vraiment dur à battre. C'est là qu'on sait ce qui est dragon. Tant qu'on sait ce qu'est le dragon. Il y a juste une solution à faire. C'est de le tuer. Mais le problème, c'est qu'il y a des petits bébés. Dragonneaux. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de tous les tuer. Là, comme vous pouvez constater, dans le fond, je suis niveau 16. Je suis niveau 13, je veux dire, je me suis trompé. Donc je suis vraiment mis. Tu sais, vraiment, je suis vraiment essayé de voir si je serais capable de le tuer. Puis non, il est parti. Hein, oui, il est parti. Hein. Je sais pas où ce qu'il est rendu maintenant. Est-ce qu'il est chez eux? Je sais pas où ce qu'il est. Donc c'était dorsal de givre. Je ne sais pas où ce qu'il rend. Bon ben il est dans sa tanière, les gens. Ah, il est immense. Sérieusement les gens. Hein? Ça va être cool à faire ça comme vidéo.
Parce qu'en plus d'être tout seul, je vais faire comme j'ai fait tantôt avec avec l'autre. Donc, il attaque pas trop fort. Donc, tu sais, il est vraiment juste bien pour nous autres. Donc, ce que je vais faire dans le fond, c'est que je vais faire comme j'ai fait tantôt avec mon autre dragon que Jimmy a vu la dernière fois que j'ai fait. Donc, Jimmy, tu te rappelles de mon fameux dragon que j'ai fait, non? Donc, tu vas voir, c'est que, donc, j'avais les gens, je vais faire la même chose que j'ai fait avec mon autre dragon que j'ai tué au désert. Donc, là, je vais juste essayer de. Ah, ok, ouais, il essaye vraiment de. Pas de ça, de, il essaye vraiment de. Je veux vraiment pas se faire tuer. Là, les gens, je vais essayer juste de pas essayer de crever. Parce que comme vous pouvez le constater, c'est un boss niveau 12. Mais quand même, il reste quand même dû à tuer. On va juste faire de quoi? On va juste appeler ça ici. Comme ça. Donc là. Donc là, dans le fond, ce que je viens de faire, dans le fond, c'est que je l'ai engourdi pour qu'il perde justement un petit peu de sa vie. Donc là, je sais pas tout ce qu'il va. Ni ce qu'il va faire. Ok, c'est ça son spécial. Donc là les gens, on est quand même en train, on est quand même pas pire. On a quand même réussi à l'attaquer un petit peu. Enfin, je dis un petit peu. Bon ouais, on a quand même attaqué un peu. On va prendre Vivienne. C'est Vivienne qui va s'en occuper du haut du ciel. Comme de cette manière. Ok, on va se prendre maintenant notre fameux personnage du début. Okay, c'est parti, on l'attaque sur le pad gauche arrière. Jusqu'au temps où ce qui justement va tomber pour avoir mal, pour ensuite de ça rattaquer. Là, dans le fond, les gens, ça fait deux dragons de feu que j'essaie que je vais tuer. Parce que j'ai mon autre dragon de feu aussi qui s'appelait Dorsal de. Pas Dorsal de Givre, mais. C'est quoi l'autre? Dragon Abyssal. C'est ça, Dragon Cire Abyssal. Puis il était justement un dragon de feu aussi. Donc je l'ai tué. Puis je vais aller vous montrer tantôt ce qu'il était. Ça, ça me dérange pas de vous le montrer. De toute façon, ça me dérange pas. Donc, ça fait une belle petite vidéo, ça, pas mal. En plus, Dragon Abyssal, il était vraiment cheap. C'est que lui, son spécial, c'était de se mettre en bouclier. Il devenait immunisé contre nos attaques. Donc, peu importe les attaques qu'on faisait, les gens, ils devenaient tout le temps immunisés. On était plus capable d'attaquer. Les seules attaques qu'on était capable de faire, c'était d'essayer d'attaquer son bouclier. Son bouclier il était indestructible, même Jimmy le disait, il disait « Calais, ça tienne, tu vas-tu réussir à l'avoir? » Puis à un moment donné, ben, je l'ai eu. Puis ça a bien fait, en plus, Jimmy t'a venu faire un tour chez nous tantôt, puis il m'avait dit « Ah, tu pourras peut-être faire une vidéo chez vous. » Il me disait « Ça serait peut-être le fun. » Il me dit « Oui, je vais peut-être la faire, ma vidéo. » Mais comme que j'ai dit « M'attendre un peu, moi, si tu veux le dragon avant de faire ma vidéo. » Parce que je voulais faire ma vidéo pendant que je tuais le dragon. Qui était niveau 14. Ah, ok, je suis oreilles, hein. Il était niveau 14, le dragon que je voulais attaquer tantôt. Mais là, what the fucking god. Mais là, il est comme plus niveau 14 vu que j'essaie de tuer. Il est juste niveau 12. Tu sais, il est pas si fort que ça, mais tu sais. Il a quand même des petits amis, il a quand même ses petits dragonaux. Après moi, c'est une fille, parce que il est en train de coller ses filles. Après moi, c'est ça, je sais pas. En tout cas. Des cailles de dragonneau. Pour l'instant, les gens, on est capable de mener l'attaque parce que là, on est vraiment sur le coup de gagner. Hein. Donc là, les gens, excusez-moi si vous attendez mon piton, le bombardement de mon piton, c'est parce que, comme je vous l'ai dit, j'essaye le plus possible de le tuer. Parce qu'en plus de ça, le mec j'allais tuer les gens, on va obtenir enfin notre fameux
runes de dragon que je voulais absolument, qu'on va avoir tantôt. Mais je vais avoir tantôt, justement. Donc là, on est quand même en train de gagner quand même, papy. On le mène, les gens, on le mène. On vient de se faire mal à son... On avait plein de semaines dans sa patte. On le fait charger. Comme ça. De même. Donc là, les gens, comme vous pouvez constater, dans le fond, je suis en dessous du dragon. Parce que son point faible, justement, c'est les quatre pattes d'Anari. Les quatre pattes. Et en plus des quatre pattes qui est faible, ben, tu sais... En même temps, faut pas trop que je sois en avant du dragon, parce que soit qu'il va me donner des coups de patte, comme vous avez vu tantôt, qui donne des coups de patte en avant et arrière, coups de patte avant et coups de patte arrière, et qui donne des coups de queue. Donc, tu sais, j'aime autant mieux rester dans le coin du, tu sais, de où ce que je donne ses coups, puis tout ça, c'est-à-dire en dessous de ses pattes, en dessous de son corps plutôt, parce que là, justement, on est en dessous de son corps. Là, pas pour l'instant, parce que là, pour l'instant, c'est colissé en haut d'une montagne, genre, je sais pas fuck all ou pas tout ce qui s'en va. On va suivre mes alliés, parce que c'est mes seuls alliés qui sont capables de trouver ce que c'est. Donc là, on est rendu maintenant au sommet de la montagne. Et là, il vient de me brûler solide. Faut juste pas qu'on crève, les gens, parce qu'on était en train de... Non! Ok, ouf! On mène les gens. Donc là, excusez-moi pour le piton, comme je vous l'ai dit, je le bombarde vraiment. Comme je vous l'ai dit, j'essaie vraiment le plus possible de ne pas crever. On va se prendre Vivienne. On va se prendre notre attaque qui s'appelle Regain. Qui nous donne toute de la vie. Donc là, on le fait. Enfin, là, je suis en train de le faire justement. J'ai comme fait, justement. Quand il nous a vraiment assommé bien à l'aise. Donc là, on en recommence. Il se repose. On le rattaque. Comme ça, 490 de dégâts. Donc là, les gens, on est en train de l'attaquer. On est vraiment en train de le tuer bien à l'aise. Let's go. Là, en plus, vous assistez vraiment à une petite chasse de dragons comme ça. Hein. C'était ma vidéo que je voulais faire, tu sais, je voulais vraiment faire cette vidéo-là parce que, tu sais, c'était comme quand même une suite que je voulais faire du gameplay. C'est sûr que j'arrêterai pas après 10-15 minutes de vidéo. On va continuer, c'est sûr. Et voilà les gens, on l'a tué. Bug. On l'a tué. Donc, qu'est-ce qu'il nous donne? Ceinture, un bâton, une amulette, des dents, des os de dragon. On va faire tout prendre, les gens. On vient d'obtenir. On va maintenant obtenir enfin notre rune de dragon que je voulais absolument obtenir. Donc, on l'attaque, on l'a tué. C'est bien parfait. Ah, ben c'est, il sent le dragon aussi. C'est bien parfait. On va juste tuer, c'est tout. On va juste tuer les petits dragonneaux qui vont devenir aussi des grands dragons. Ceux qui ne savent pas. Ils vont devenir des grands dragons. Cracheurs de feu aussi. Comme le dragon qu'on a tué. Oh, ok, ouais. Ils commencent déjà à cracher du feu, donc. Ok. Donc, on a tué le dragon, les gens. Vous avez assisté à une chasse de dragon qui a porté fruit. C'est qu'on a réussi à tuer notre dragon pour ensuite, en plus de ça, obtenir enfin ma rune. Donc, on va aller à Fort Céleste. C'est justement là, Fort Céleste, qu'on doit aller chercher notre rune. Pardon. Ouais. Hey, je vous le dis, les gens, ça a trop porté fruit. Hein. En 14 minutes, les gens, je niaise pas. On l'a tué en 14 minutes, le dragon. C'est quand même dur. Mais tantôt, mon autre dragon, abyssal, dragon cire abyssal, ça m'a pris quasiment une demi-heure à le tuer. Hein. Ça a vraiment été long. Celui-là, 14 minutes, c'est pas pire.
Je vais aussi faire un dédicace à LOL ou LOL Lille. Il voulait que j'y fasse un dédicace, donc je te salue mon pote Yo. Donc oui, je suis pas à Far Cry, j'ai vendu mon Far Cry parce que j'étais curé de jouer, je l'avais pas assez, donc je l'ai vendu. Donc je te fais un dédicace sur Dragon Age, donc je te salue Lolil ou Lilol, toi que tout ça même. Donc c'est parti, on s'en va chercher notre rune. J'ai sérieusement les gens, j'ai trop hâte de la voir. Vous niaisez pas là, j'ai vraiment hâte. J'ai juste hâte, ok? Je vous le dis, hein, j'ai juste hâte. C'est quelque chose que j'attendais le plus dans ma vie. Puis là, je l'ai. C'est malade. Un gars qui buzz trop dans ça, ça rime. Il est comme ah, non, là, tu plais. Ça, c'est moi, ça. Bon. On va aller chercher ça. C'était où déjà? Rune. Comme tu veux le dragon, comme ça. Vide. En plus, c'était laquelle, les gens? Sans le dragon. Non! Il m'en faut 6 puis j'en ai 5! Quoi? Et attends les gens, on va essayer de trouver quelque chose. Cœur, ça j'en veux pas de cœur. Comme une tueuse à dragon, j'en veux pas. Il faut des glandes d'araignée géante. Il m'en faut 6. On va essayer d'aller tuer, on va essayer d'aller trouver du sang de dragon. Pour cela, dans le fond, comme je vous l'ai vu tantôt, donc on va aller à notre place parce qu'on avait vu ce qu'il y avait juste de dragon. On va y retourner. On a comme pas le choix. Allez, on capte mal du crépuscule, puis en plus de ça, je voudrais aller à l'autre bout du monde pour aller chercher. Une place, On n'a pas une place, mais pour aller découvrir une autre place. Pour aller mettre un drapeau ou un brassard. Je dois aller là-bas. Je dois aller quasiment aller à l'autre bout de où ce qu'on était tantôt. Mais t'es content que vous avez fait. Attendez. Vous devez dire, tiens, on comprend rien. T'as peu. Ça ne sera pas là. Mais je vous le dis, dès que j'obtiens sang de dragon, je pars. Allez, mettre ma tueuse de démons. C'est une rune tueuse de démons. Je vais voir à quoi que ça va ressembler. Mon hache, elle va-tu changer de couleur? Elle va-tu changer de lame? C'est ça que je sais voir. C'est ça que je ne le sais pas. Je voudrais bien savoir, mais... Elle sait pas. Hein? C'est qu'ils font là, ça, les ennemis. Ok, on a eu un bug. Ok. Donc c'est possible qu'on va obtenir nos sang de dragon. Du sang de dragon, je vous le dis. C'est possible. C'est plus loin. Ok, donc c'est fait. Ça c'est fait. Non, on va pas me reposer. Ah ben oui, je voulais me reposer. Ça, fouiller aussi. Ah ben c'est. Bon, c'est parti. On va aller chercher ça. Donc dans le fond, quand on va garder, comme je vous l'ai dit, je dois aller à l'autre bout de là-bas pour aller obtenir mon site important pour m'avoir à 15e. Donc je dois aller à l'autre bout du monde. Donc, et en même temps d'aller à l'autre bout, ben, on va peut-être voir aussi des petits dragonneaux. D'autres petits dragons. Donc ça va peut-être me donner aussi de... Ça va peut-être me donner du sang de dragon. Donc en même temps, ça fait quand même bien à deux en même temps. Ben moi je trouve que ça fait bien. Bon, un dragon ici. Viens ici, putain d'enfoiré. Donc comme je vous l'ai dit, il me donne du sang de dragon. S'il me donne du sang de dragon, c'est là que je vais pouvoir
Lequel de Dragono? Eh non. Mais des fois, je vais rester patient. Je vais rester patient envers tout ce projet. Ça ne me dérange pas d'attendre jusqu'à 15 minutes, ou bien à 20, ou bien à 40, ou bien à 60, ou bien à n'importe quand. Je vais juste vous le dire. On va rester patient. Ah! Sang de dragon, il vient. On en a 6. Bon, ben, on va partir de là tantôt. On a réussi. J'avoue qu'il est quand même pas pire, le dragon. J'avoue qu'il est quand même beau. Il est quand même pas pire, il a des petits dragonneaux. Hein. J'avoue, c'est pas pire. Je vais continuer pareil. Bon, ben, sang de dragon aussi. Maintenant, j'en ai 7. Ou ouais, peut-être me rendre à 8-9, ça serait peut-être pas pire. Alors, je chialerais pas à 8-9. Ça va combien? Ouais, ouais, les gens, c'est pas trop loin. Accessoires, non, c'est pas là-dedans. C'est une amélioration, si je me trompe pas. Non plus, ça va, c'est dans le matériau. Bon. Je vais juste essayer de le trouver. Pierre de sang, non. Sang de dragon intense. J'ai une 18. Cool. Ah, c'est ça. J'en ai 7. On est rendu à 7. 7 on est rendu à 7 cendres de dragon. Hey, hein. C'est là que j'ai tué mon premier dragon. Mais mon deuxième dragon. Je savais pas que j'allais me rendre aussi loin que ça. Dans Dragon Age. Sérieusement, les gens, je ne le savais pas me rendre aussi loin que ça. Ça va être là que je me suis rendu. À ce niveau-là. Alors, voir arrêter là, les gens. Hein. Si j'avais arrêté de jouer, hein, j'aurais même pas eu l'opportunité d'aller tuer mon premier dragon. J'ai réussi à tuer mon premier dragon, puis là j'ai réussi à tuer mon deuxième dragon. Le flow il capote genre que trop. Donc c'est important. Revendiquer. Nid de Dragono. On peut bien comprendre pourquoi on appelle ça Nid de Dragono, hein? On peut bien comprendre, hein? Je peux bien comprendre pourquoi il y avait autant de dragons que ça. Moi, quand je passais pas loin d'ici. Je viens de comprendre pourquoi. Là. Oh, une obsidienne encore ici. Il y a 3 obsidiennes. Waouh! Hey, hein. On a passé à côté de ça. Hein. Donc, c'est parti. Les gens, on s'en va à Fort Céleste chercher ma rune de démon. Où que ça fait peur? Tellement peu, je veux subir les bobettes. Ben non, c'est pas vrai. Non, sérieusement, les gens, j'adore ce jeu. J'adore ce jeu, donc si vous voulez vous l'acheter, achetez-le. Moi, il m'a pas coûté cher, il m'a coûté 14,99$. Avec les taxes, ça a monté à 16$. Ça a monté à 15,45$. Pile. Si vous voulez vous l'acheter, achetez-le. Parce que sérieux, c'est un putain de bon jeu. Moi, au début, tu sais, j'étais comme... Ok. M'a joué. M'a l'essayé. Si je n'aime pas ça, je vais la reporter. Finalement, ça n'a pas fait ça. Finalement, j'ai dit, m'a joué. Ok. Finalement, m'a le garder. Regardez ce que je suis rendu, je suis rendu avec plein d'affaires, j'ai plein d'armes full fortes. C'est au niveau 12 hein, qui est fort de même, j'ai jamais vu ça de ma vie, hein, puis sérieusement c'est fort. Hein. On va aller chercher. Aïe aïe! Ah putain, t'es sérieux. Ça va de l'aide, oui. Putain de merde. C'est parti! On s'en va chercher notre fameuse rune de tueuse de démons. Parce que si je vais voir
là-bas, c'est parce que même comme je vous l'ai dit, tu sais, je fouille dans même, je regarde en même temps. Il n'y a personne. Les gens regardaient ça. Rune tueuse de démons. Et voilà, rune tueuse de démons de maître. Après, c'est maître. Ça me dit que c'est maître. On fait modifier les armes. Bâton. À cause du bâton de grand chanteur. Ah, je peux le modifier. On va voir, on va modifier. On va mettre ça. Lame. On va mettre ça. Et voilà, ben tiens. T'es rendu plus fort. Et voilà les gens. Ma rune tueuse de démons. 197 d'attaque. Confirmé. Et voilà. Ciao. Bye bye. Les gens, j'ai réussi à obtenir ma rune tueuse de démons. Donc là, je vais varier ces vidéos de Dragon Age, ok? Je vais juste, comme je vous le dis, je vais vraiment varier. C'est qu'au lieu de... Je suppose, hein, Mathieu, vous m'en... Je vais essayer. C'est fait quelque chose, ouais, regarde. Je sais de quoi, puis on va se parler de ça tantôt. Ok. Ben, ça, c'est l'équipe gardienne, ça, je sais. Solas, plus bien, very bien. En bas, brillant. Je n'ai rien vu. Donc, niveau 18, ce que je vais faire. Bon, les gens, je reste là parce qu'il faut que je vous parle en même temps. C'est pas trop long, j'ai encore d'autres petites choses à faire. Tu me donnes des affaires qui sont niveau 6, man. C'est pas ça, mais okay, je vais regarder. Et Neo. Donc, comme que je vous l'ai dit, mes vidéos de Dragon Age vont varier. C'est que là, justement, quand je viens de tuer mon deuxième dragon, bien sûr, vous avez pas vu mon premier dragon, mais vous pouvez aller voir sur YouTube à quoi qu'il ressemble le premier dragon, vous allez le voir, c'est. À la porte de Ponant, quelque chose comme ça, allez voir. Là, j'ai tué mon premier dragon avec vous autres. Donc là, ce que je vais faire, dans le fond, c'est que je vais varier mes vidéos avec les dragons. Donc, dans le fond, je vais faire ma vidéo qui va être ma... Donc celle-là, ça va s'appeler Première chasse de dragon. Donc dans le fond, ça va être ma... je vais marquer dorsale de givre. Je vais marquer chasse dorsale de givre. Donc dans le fond, ça va être cette vidéo-là. Que je vais vous montrer, donc je vais varier ça avec des vidéos de dragons, que je vais les varier, c'est sûr que je vais varier ça. C'est que dans le fond, là j'ai fait ma première vidéo de sur mon dragon, donc je vais recontinuer à chercher d'autres dragons. Si je n'en vois un autre dans un autre pays, quelque chose comme ça, je vais refaire la vidéo pour recommencer, pour essayer de vous remontrer une autre vidéo de chasse de dragons. Donc je vais marquer première chasse de dragon. Je vais marquer dans la description dorsale de givre. Donc si vous voulez savoir où est-ce que je l'ai tué, quelque chose dans le même, je vais mettre ça dans la description. Vous allez voir. Ou si tu sais, je voulais vraiment comme vraiment bien expliquer où est-ce qu'il était. Je vais même vous la remontrer pour ceux qui se disent où est-ce qu'ils sont les dragons. Où est-ce que tu as vu ça? Donc, comme je vous l'ai dit, non, voilà. C'est nous, c'est vous. Pour ceux qui ne savent pas, mon dorsal de J, on va juste un petit peu zoomer. On a le campement du crépuscule qui est juste là. Et le dragon se tient, vous allez voir, vous allez devoir sortir par une place ici là. Vous allez sortir là, puis le dragon, il, à un moment donné, il se cache ici, ou en rond. Ouais, le rond, on le voit mal un peu, mais en tout cas... C'est pas rond, on voit mal un peu.
Puis, ben, dans le fond, regardez, le nid de dragon. C'est là, regardez, c'est marqué nid de dragon. Vous pensez que vous le voyez mal? C'est marqué nid de dragon. Moi, je vous fais la traduction. C'est là qu'il se cache le dragon qu'on doit tuer. Pour ceux qui ne savent pas, il est niveau 12. Niveau 12. Donc là, comme je vous l'ai dit, on va varier ça. Là, il doit avoir un dragon. Il y a un dragon qui se cache. Je l'ai vu deux fois dans mon jeu, dans le jeu. Puis il est dans les côtes orageuses. Donc vous voyez très bien que c'est quand même une map immense. J'ai pas encore tout fini de découvrir. Il me reste encore plein d'autres places à découvrir. C'est de savoir où ce qui se cache le dragon. Il s'appelle Hurleur de Givre, quelque chose comme ça, là. Je pense que c'est ça, Hurleur. Il se cache dans cette map-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre à sa recherche. Il m'a bien planté. J'irai pas tout de suite à sa recherche. Comme je vous l'ai dit, je vais varier les chasses de dragons. Donc, première chasse de dragon, c'était aujourd'hui. Je vais peut-être faire ma deuxième chasse de dragon, peut-être demain ou dans 2 jours. Je vais voir comment que je fais. Non, pas demain. Attendez, ouais. On va aller voir dans mon horaire de travail, ce sera pas trop long. Mon horaire de travail, parce que demain, je pense que demain, j'ai déjà quelque chose de prévu. Ouais, ça pourrait peut-être être demain soir. Peut-être demain soir. Ou lundi, parce que lundi, mon père travaille, donc je suis seul pendant la journée avec mon petit frère. Mon petit frère qui est dans sa chambre. Donc d'ailleurs, je le remercie. Ça va pas trop long. Attendez. Moi, c'est ça, donc ça va juste être, ça va juste être pour peut-être demain soir ou lundi dans la journée. Je sais pas, comme je vous l'ai dit, ça va varier. Parce que là, justement, ça m'a pris quasiment, je pense, 2-3 minutes à trouver le dragon. Donc là, si je réussis à le trouver, où ce qui est dans les côtes orageuses, je ne ferai pas la vidéo dans la même journée. Je vais varier, dans le fond, je vais la refaire une autre journée. En tout cas, je vais voir comment ça va aller. Donc, première chasse à dragon réussie. Ciao tout le monde. Peace.